Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Dans la presse, l'avenir de Kylian Mbappé n'a jamais semblé aussi flou depuis plusieurs semaines. PSG ou Real Madrid la saison prochaine. Si les Parisiens ont repris de la confiance concernant une prolongation d'Mbappé à Paris, les Espagnols le disent, c'est déjà bouclé. Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Il y a un mois, Kylian Mbappé avait donné de nouvelles informations concernant son avenir au PSG après le match PSG-Lorient. Il y a de nouveaux éléments, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas une décision facile. J'ai envie de prendre la meilleure possible. J'essaye, avec mes proches, de prendre la meilleure décision, avait-il déclaré ce soir-là. Alors, pour beaucoup, son transfert vers le Real Madrid n'était plus qu'une formalité. Ces mots relançaient le suspense dans le dossier Kylian Mbappé et redonnaient de la confiance au PSG. Depuis, le club parisien a multiplié les offres, toujours plus mirobolantes, pour son jeune prodige. Pour le moment, cela n'a pas payé, mais vu le silence de Mbappé, il n'est pas exclu qu'il capacite beaucoup plus qu'avant et la prolongation d'Mbappé à Paris est de plus en plus probable. Toutefois, en Espagne, l'optimisme reste de mise. On reste convaincu que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid, comme il a toujours rêvé. On insiste avec des informations jugées sérieuses et crédibles. C'est le cas notamment de Ciro Lopez, le journaliste de la chaîne de Football Goal. Il a révélé en effet que Kylian Mbappé avait déjà signé un pré-contrat avec le club merengue depuis 2 mois. Un accord pas contraignant mais symbolique des véritables envies du français pour son avenir. La signature définitive ne serait plus qu'une question de temps, sûrement après la fin du championnat. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée d'Mbappé à Madrid est réellement une très bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche des notifications. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut.